Aujourd'hui, on se fait l'histoire du roteux. Oui, mesdames et messieurs, le roteux. Le hot dog. Un jour, on va vous parler de la sainte trilogie du roteux, du péteux et de la graisseuse. Mais aujourd'hui, on se fait un bon roteux. Et question de bien faire les choses, j'ai demandé à un spécialiste de la chose, Bob le chef, de venir m'aider. Bob! Y a-t-il des chiens chauds ici? Il y en a pas, mais on va en faire, ça te tente-tu? Ben, certain! Ok, mais je te lance un défi, tu dois me faire un hot dog vegan. Je pense que j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Ok, on va faire ça. Mais pour ça, il faut écouter l'histoire du hot dog, puis tu nous fais la recette à la fin. Oui, restez jusqu'au bout! Nouveau concept! Oh oui! On peut dire que la famille américaine moderne mange du fast-food. Beaucoup de fast-food. C'est une religion, pas juste pour le goût, le gras, le sel et le sucre, aussi parce qu'ils sont bon marché, pratiques et faciles à trouver. Chaque ville a son temple où l'on peut manger les meilleurs burgers, pizzas, tacos et bien sûr, hot dog. Le hot dog a l'air bien implanté dans la culture gastronomique américaine et pourtant, son origine n'a rien américaine. La saucisse est l'une des formes les plus anciennes d'aliments transformés et a été mentionnée dans l'Odyssée d'Homère à l'époque antique. Ça, c'est Homer Simpson? Non, c'est pas Brian Simpson, même moi je sais ça, okay, Laurent. Le mot saucisse dérive du latin salsiccia, qui signifie farci au sel, puisque les viandes utilisées à l'époque étaient presque toutes conservées grâce au sel et au séchage. Séchage, c'est dur à dire ça. Aujourd'hui, le terme anglais est formé du mot chaud, hot, et du mot chien, dog. La chose est chaude, en effet, mais ça n'a aucun rapport avec les chiens. Du moins, là, selon certaines versions. Parce que, bon, avant de vous expliquer d'où ça vient, là, on va faire un peu de contexte. Parce que parler d'histoire culinaire, c'est mettre les pieds dans un panier de crabes. Parce qu'il y a toujours des guerres de clochers. Il y en a un qui dit « c'est moi qui l'ai inventé », l'autre « c'est moi ». Puis ça finit plus. Pour le hot dog, c'est la même chose. Pour plusieurs, c'est à Francfort, en Allemagne, que le hot dog a été créé en 1487. Il a d'ailleurs fêté son 500e anniversaire en 1987. Ça veut dire que c'est plus vieux que la ville de Québec. D'autres Allemands attribuent la fabrication du hot dog moderne à Johann Georg Hellner, quelque chose comme ça, là, qui est un boucher à Cobourg qui va se rendre à Francfort pour promouvoir son produit au 15e ou 16e siècle. Mais en 1852, la Guilde des bouchers de Francfort introduit une saucisse épicée et fumée emballée dans un étui mince. On la nomme alors Francfort d'après la ville natale d'où elle vient. La saucisse avait une forme légèrement incurvée, semblable au teckel, le fameux chien, là, ce qui peut avoir contribué à générer le terme « hot dog ». Mais il y a d'autres écoles pour expliquer le pourquoi de ce nom-là. Pour certains, là, il y a des scientifiques qui ont déterminé au 19e siècle en Angleterre qu'on soupçonnait les fabricants de saucisses d'incorporer de la viande de chien dans leurs produits. D'où l'assimilation, du moins dans la langue populaire, entre chien et saucisse. Ça fait beaucoup de « il paraît », on a entendu « il se peut que ». Donc, grosse mise en garde ici. Il semble clair que les hot dogs sont arrivés en Amérique avec le flot d'immigrants allemands qui les ont vendus accompagnés de petits pains et de choucroute à partir de chariots à bras à Bowery à New York dans les années 1860. Charles Feltman, un boucher allemand, a ouvert le premier stand de hot dog à Coney Island en 1867. Il a vendu près de 4000 saucisses et petits pains au cours de sa première année d'affaires et est crédité de l'idée du pain grillé. Feltman a construit un mini-empire à Coney Island avec un hôtel, des terrasses, des restaurants, des stands de restauration et divers manèges pour amuser ses clients. À sa mort, en 1910, il a quitté une entreprise valant plus $1 million. Pour certains, l'histoire se déroule plutôt à Saint-Louis, au Missouri. On attribue alors à un marchand ambulant allemand, Antoine Fuchswanger, l'introduction de saucisses chaudes servies dans un petit pain au Midwest en 1889. Hey, c'est vrai que c'est facile, hein? Chien, chaud, saucisse, séchage, on se l'est fait facile. Bref, je reviens à ça. Néanmoins, il est certain que le hot dog a gagné sa popularité nationale à l'Exposition universelle de 1893 à Chicago. Des milliers de visiteurs ont consommé des saucisses vendues par des vendeurs. Assez évident, hein? Mais la même année, les saucisses sont devenues la norme dans tous les stades de baseball. On va associer bientôt baseball et saucisse. Dans les années 1890, les stands ambulants qui vendent ces sandwichs sont appelés dog cart. Il n'est pas difficile d'imaginer les vendeurs commercialiser leurs produits en criant « Elles sont chaudes, mes saucisses! Elles sont chaudes! »
ou comme ça a plus de bon sens à dire en anglais, « Hot dogs, get your hot dogs here! » L'appellation serait restée par la suite. Nathan Handwerker, ancien employé de Feltman à Coney Island, a lancé Nathan's Famous, qui est désormais le plus grand fournisseur de hot dogs au monde dans les stands et dans les supermarchés. Handwerker a ouvert son stand à Coney Island en 1916, près du coin des avenues Surf et Stillwell, et l'a tout simplement appelé Nathan's. Il vendait ses hot dogs à 5 cents chacun. Wow! 5 cents, ça c'est un deal! Il va donner rapidement un lieu de restauration préféré des amateurs de plage et du personnel de l'hôpital voisin de Coney Island. Le Nathan's Hot Dog Eating Contest, qui se déroule le 4 juillet, a été organisé sans interruption sur le stand hot dog original de Coney Island. En 1936, l'entreprise de viande Oscar Mayer a lancé le premier Wiener Mobile. Essentiellement, un camion portant la sculpture d'un hot dog géant comme moyen de publicité pour augmenter ses ventes en supermarché, le jingle « I wish I was an Oscar Mayer Wiener » de la société est connu par des millions d'enfants américains et traduit dans de nombreuses langues. Oh, I'd love to be an Oscar Mayer Wiener. Aujourd'hui, on trouve des stands de hot dogs à 1$ à tous les coins de rue de New York. Un bon plan pour ceux qui veulent aller croquer dans la grosse pomme. Certains disent que le meilleur hot dog de New York est à Papaya King, ouvert en 1932. Leur spécialité, le Frankfurter ou le Home Run avec choucroute et oignon. Les Américains consomment généralement 7 milliards de hot dogs entre le Memorial Day et le Labor Day. Vous avez bien entendu. 7 milliards. Je sais pas ce qui se retrouve dans les toilettes avec ça. Après. Ça fait beaucoup de cancer du côlon, ça. Alors que les hot dogs sont servis dans 95% des foyers américains, le hot dog est aujourd'hui intimement associé au stade de baseball. Vous avez sûrement des tunes dans la tête là, de baseball. C'est quoi déjà la tune, Bob, de baseball? Take me out to the ball game. Un fan. En tant que plat cuisiné, le hot dog s'est classé au premier rang des États-Unis pendant près d'un siècle. Il a été remplacé depuis peu par la pizza, du moins dans les années 90. Mais le hot dog a longtemps été le symbole par excellence du fast-food américain. Puis je suis sûr que vous avez des plans à gauche et à droite où il y a le meilleur hot dog. Vous nous le direz là, d'ailleurs dans les commentaires, où est le meilleur hot dog? Il y a où le meilleur hot dog à Montréal, Bob? Au Tipeee, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Okay. C'est un méchant chien chaud, ça. Mais t'as pas de part dans la compagnie, là? Aucune part dans la compagnie. Sinon, il y a le pool room aussi. Ouais, mais ça, c'est les plus vieux. Ouais, c'est ça. Ben, ici aussi, là, au Québec, et à Montréal spécifiquement, on est assez fan du hot dog. Pour preuve, quand les Expos, nos amours, là, le club de baseball de Montréal a déménagé pour une autre ville, partez-nous pas là-dessus, là, c'est aussi triste que les Nordiques, ben, le dernier hot dog vendu au Stade olympique s'est vendu aux enchères en 2004 pour 2605 $. Bob, c'est toi qui l'as acheté? Non, mais si les Expos reviennent à Montréal, le gars qui a payé 2600$ va se trouver cave en maudit. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette capsule-là. Mais non, mais c'est pas fini, Bob! Hey, on s'en va en cuisine, cuisiner des hot dogs végétaliens. C'est parti, go! Végétaliens. Oh, I'd love to be an Oscar Mayer Wiener. Bob, on est dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On prépare des hot dogs. Ouais, mais là, j'aime pas ça parce que t'as pas de saucisse. J'ai des saucisses, Laurent. Ouais. Des carottes. Mais c'est pas des saucisses. Ça va ressembler à des saucisses. Mais c'est pas des saucisses. Ça, c'est une recette que ma bonne amie végétalienne Caroline Looney-Huard m'a appris. D'ailleurs, je plug son nouveau livre de cuisine qui sort dès le mois de septembre. Ah, puis on va mettre le lien de son Instagram en dessous. Absolument. C'est vraiment du porn food. Oui, végétalien. Oui, oui, ça donne envie. C'est elle qui m'a montré à faire ça. C'est pas même plus compliqué que faire des hot dogs normales. Puis je te jure, si tu fermes tes yeux, puis tu y vas avec l'esprit bien ouvert, puis là je te parle, hein, sors ton album de Grateful Dead et ouvre-toi l'esprit bien comme il faut, ça ouais. Goûte un peu le hot dog. Ouais. Mais non, mais t'es honnête, t'as dit un peu. Un peu. Un peu. Bon, ben je te laisse commencer. On va commencer par éplucher nos carottes. Au lieu là, de juste couper le bout, on va venir l'arrondir aussi. Comme si c'était une petite saucisse hot dog. On veut pas comme qu'il y ait d'angle. Puis si même chose là, l'espèce de trognon, de carotte, on va essayer de donner une forme un peu arrondie pour que ça nous trompe l'œil. Et si on veut vraiment déjouer le plus carnivore d'entre nous, on va venir faire un petit X à chaque extrémité de notre carotte.
Puis pendant l'étape de bouillonnement, pardonnez l'expression, le petit X va s'ouvrir, puis ça va avoir le look d'une saucisse. J'y crois presque. Tu y crois presque? Je vais t'aider. Je vais t'aider parce qu'on a une coupe à faire, là. Je vais y aller avec ça. On en prépare trois. C'est le premier hot dog qui est bon pour tes yeux aussi. Tu veux que je les fasse bouillir après, c'est ça? On va les faire bouillir. Mais attends, Laurent. On les fait pas bouillir dans de l'eau normale, nos carottes. Faut faire un petit mélange, parce qu'en plus que nos carottes vont avoir un look de saucisse, on veut qu'il y ait un goût de saucisse. OK. On va mettre pas mal les mêmes assaisonnements qu'on retrouve dans une saucisse hot dog. C'est-à-dire, un petit peu de sauce soya. Oui. Qui va remplacer le sel. Montre-le pour ça à quoi ça ressemble. Hein? OK. Quoi d'autre? On en met à peu près 3 cuillères à soupe. Ça, c'est n'importe quoi. Vous avez remarqué que les cuisiniers nous disent à peu près 3 cuillères à soupe. Ils y vont au jugé. Puis nous, on va bien sûr trouver la juste mesure du premier coup comme vous autres. Et étonnamment, je cuisine toujours à l'œil, mais ça goûte toujours la même chose aussi. Ouais, mais c'est aussi ta job. Je mange beaucoup de carottes, c'est pour ça. On va mettre du sirop d'érable. Ouais. Si on n'a pas de sirop d'érable, on peut mettre du miel. Parce que qu'est-ce qui est bon avec le sel? Le sucre. Ben oui. On la met à peu près. Puis d'ailleurs, on a une capsule sur la chaîne qui est sur l'histoire du sirop d'érable pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais ça m'étonnerait quand même. on en met à peu près 30 ml, donc 2 cuillères à soupe. On y va avec de la pâte de tomate. OK. Pâte de tomate. Je pensais que c'était de la harissa, ça. Non. Ça le look. Une petite pâte de tomate. Okay. Ça va donner un petit côté concentré. Puis encore une fois, c'est 2 chprouts, 3 chprouts. 3 chprouts, une cuillère à table, une cuillère à soupe, 15 ml. On va refaire les mesures des chprouts. Absolument. 3 chprouts, 2 chprouts. Ça vient de Francfort, je pense. Hein? C'est Nathan's Famous qui l'a lancé en arrière. Exactement, un chprouts de sel. Dans une vraie saucisse hot dog, moi je dirais qu'il y a comme 15-20 chprouts de sel, OK? OK. Et l'ingrédient secret qui se retrouve autant dans les saucisses fumées que dans les barbecues, que dans la plupart des recettes végétaliennes... Worcestershire. Non! Ah! La fumée liquide. Ça, je sais pas, non, je comprends pas. Ça, quand t'amènes la fumée liquide chez le monde, tu peux tout le temps l'ouvrir avant de... Pourquoi? Pour avoir un look? Juste pour que ça prenne moins de temps. La fumée liquide, elle se trouve dans à peu près toutes les épiceries. À côté du Tabasco, pis du Worcester ou Worcestershire sauce. Ça a l'air qu'il faut dire Worcester sauce. Ouais, c'est ça. C'est comme l'Eistat. Ouais, mais moi, je le lis, par exemple. Je dis Worcestershire. Attends, regarde si j'arrive. Worcestershire. Ouais. Mais si on check sur Wikipédia, ça dit Worcester sauce. Fait qu'on va dire... Mais parler de Wikipédia à côté d'un vrai historien, ça n'a aucune validité. Mais ça, parler de Wikipédia à côté d'un historien, ça n'a aucune crédibilité quelconque. Non, ça va induire les gens en erreur, sinon. Fait qu'on n'en met pas beaucoup, parce que sans ça, notre fumée liquide... Ça sent la grosse boucane. Mais ça sent la saucisse. Ben exactement. La saucisse fumée. C'est ça qui va nous donner ce petit goût fumé-là. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup aussi dans la cuisine végétalienne. Souvent dans les barbecues végétaliens, ça trompe un peu les papilles gustatives. Ah, OK. Induire en erreur. Exactement. On mélange. Hein? On prend de nos carottes, on mélange ça. C'est très, très scientifique. Ça, mais on fouette avec la carotte. Parce que quand on fait des hot dogs, on fait pas des hot dogs pour le fun. On fait des hot dogs parce que ça prend pas beaucoup de vaisselle. Tu viens de dire, on fait pas des hot dogs pour le fun. Non. On fait des hot dogs pour quoi? Pour manger. Et là, c'est quoi? Tu mets une demi-tasse d'eau? De l'eau, juste pour allonger tout ça. Ça va créer un osmose de saveur dans nos carottes. On sac ça sur le four. C'est bon. Maximum dans le tapis pendant 8 à 10 minutes ou dépendant de la grosseur de vos carottes. Jusqu'à temps qu'elle soit tendre. On va en profiter pendant ce temps-là pour griller nos pains. Oh, I'd love to be an Oscar Mayer wiener. Fait que j'ai très bien beurré les pains avec la margarine. Les margarinés, c'est ça qu'on dit. C'est ça le verbe. Il faut dire les bons verbes pour les bonnes raisons. Donc là, on fout ça. Oh, le son, Laurent. Le son. Les saucisses grillent. Bouillent. Depuis
9h hier matin. Mais non. On se rappelle aussi fumée liquide, sauce soya, sirop d'érable, pâte de tomate, un petit peu d'eau. Hey, mais c'est fou comment ça sent. Vous allez voir là, si vous l'essayez la recette là. Moi, je suis en train d'embaumer tout chez moi. Ça sent le stade olympique chez vous. Ah ouais, stade olympique! Il y a à peu près autant de monde qu'au dernier match des Expos. Oui, c'est vrai! C'était le béton est en train de tomber un peu partout à Montréal. Donc c'est vraiment dans une ambiance de stade olympique pré-apocalyptique à Montréal, ici à faire des hot dogs vegan. Peux-tu nous expliquer la différence? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas la différence entre végétarien, végétalien et vegan. Végétarien, c'est tu manges pas de viande, okay, mais tu vas manger des produits dérivés. Donc, produits laitiers, fromage, lait, des œufs. Moi, je trouve c'est la meilleure concession, okay, entre tout ça. Okay. Pour vrai, là, mais pas de viande. Pas de viande. Moi, je suis comme flexitarien. J'essaie d'être végétarien, mais je triche. Je mange du poisson, du steak, oui, mais pas si souvent que le monde ne pense. Parce qu'on pense, quand on regarde sur ton site, d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir ton site. Barlechef.com. Exactement, où je prends toujours ma recette de pâte à pizza, parce que toi et moi, on avait cuisiné de la pâte à pizza. Ouais. Et comme aujourd'hui, vous avez remarqué, je suis dans un simili chaud de cuisine et je n'ai rien fait. J'ai fait la même chose à ton show pendant 3 heures. T'es venu 2 fois. Je suis venu 2 fois, puis j'ai pas cuisiné. Je suis juste, j'ai été là, puis j'ai parlé. C'est vrai? T'as bu? J'ai bu beaucoup. Cuisiner, on a tendance. Je me faisais texter après 20 minutes pour dire, comme on mettait en live, réduis ta consommation d'alcool, ça allait trop vite. Mais ça, je ne l'avais pas dit. Mais pour dire que le hot dog, pour des gens comme moi, puis toi, tu fais du jogging. J'en faisais, je me suis blessé, mais... Mais le hot dog, autant qu'il y a mauvaise réputation, ça se digère bien, c'est bourré de protéines, puis le petit pain blanc, il est rempli de sucre. Une coupe d'heure avant d'aller faire un entraînement ou un jogging, mal pris, le hot dog, ça peut être une pas pire solution. Ah oui, t'avais fait un marathon, toi, puis t'avais mangé des hot dogs avant, me semble. Absolument. Nutritionniste, envoyez vos plaintes à Bob en commercial, boblechef.com. Je vous invite à faire le défi hot dog 24 km avec moi. N'importe quand. À chaque kilomètre, enfilez-vous un dog. ça ne sera pas drôle. On en est où maintenant sur nos pains? OK, on va commencer. Regarde-moi ça, ces pains-là. Wow! Ça, c'est la croustillance. Oui, hein? La croustillance! On invente des mots, on margarine nos pains pour la belle croustillance. Hey, on fait un nouveau livre de recettes. On fait des hot dogs aux carottes, OK? Tout est permis aujourd'hui. Est-ce qu'on garde le jus? On garde pas le jus. On pourrait le garder. OK. Puis se conserverait, moi, je dirais, d'un pot maçon sans aucun problème. Un bon 3 semaines, un mois. C'est du sel puis du sucre, hein? Fait que là, on peut soit les éponger, ou ça les garder. Elles sont quasiment laquées, si nos carottes sont laquées. Puis là, par la suite, on vient simplement déposer nos carottes, comme ceci. J'ai fait une grosse erreur. On était hors honte tout à l'heure parce qu'on a coupé, vous avez compris. Puis j'ai dit à Bob, j'ai dit, est-ce que je sors le ketchup? Et le regard de mort que tu m'as tiré, c'est comme si j'avais pas le droit de mettre du ketchup. Moi, je suis un fan fini du ketchup. Ouais. Je mets du ketchup sur mon bœuf, okay? Un bon steak avec du ketchup. Ma mère savait pas cuisiner. Petite histoire. Ma mère savait pas cuisiner. Mais on mangeait du steak minute une fois par semaine. Il était tout le temps trop cuit, le steak. Puis il était pas capable de faire de la sauce. Ouais. Fait que le ketchup, c'est vraiment devenu ma sauce d'accompagnement par excellence. La panacée. Par contre, pour moi, un hot dog, je suis un puriste, je suis comme toi. Hein? L'histoire, c'est important. L'histoire, c'est important. Ça se mange avec de la moutarde. Bon, OK, on est un petit peu plus haut de gamme. Hein? On n'a pas de la French parce qu'on est au Québec. On préfère les trucs en français. Fait qu'on est allé pour de la Coupes jaune originale, biologique et organique. Question de rester un peu dans le thème des carottes. OK. Un petit effet de zigzag, on part du haut vers le bas. On dirait que c'est moi qui le fais. Bon. Ah, tiens. Ah. Le deuxième est tout le temps meilleur. C'est comme la première crêpe. Oh! Et voilà! Des hot dogs aux carottes, végétaliens. Et là, on va faire quelque chose de toujours très payant en télé, c'est-à-dire qu'on va manger devant vous puis on va vous dire à quel point c'est bon. Vous n'aurez aucune sensation, sinon celle de nous voir manger, donc d'être un peu dégoûté. Hey, on n'a jamais terminé notre affaire de végétarien. Non, excuse-moi, continue. Végétarien, on le mettra au montage. Ouais. Végétarien, OK, fait qu'on l'a dit. Ouais. Végétalien,
aucun produit animal, donc uniquement plantes, légumes, laitue, tofu, toutes les dérivés protéinés qu'on peut assembler à base de plantes, donc tofu, tempeh, tous ces trucs-là pour les végétaliens. Puis les vegans, ça c'est vraiment le mode de vie où on est végétalien, mais on pousse ça, on porte aucun cuir, tous des trucs éthiques, même on va pas au zoo. Et on ne mange pas de miel parce qu'on croit que le miel, c'est de l'exploitation des abeilles. Puis pour en avoir appris sur le miel, si on cultive mal le miel, c'est vrai. OK. Ben écoute, la prochaine fois, on fera l'histoire du miel, puis on fera notre propre miel. Si on fait l'histoire du miel, je t'amène visiter mon chum Anicet Desrochers. Oh oui, mais on devrait le faire chez lui. Ça serait malade. OK, on va le faire pour vrai. It's a date, tout le monde. OK. Hey. Fait, bon appétit. Je sais pas si on a le droit de trinquer. Bon, okay. Un peu. Puis, fait qu'on peut te suivre sur... YouTube. Sur YouTube, tu fais encore des choses? YouTube, dans la culinaire, sinon sur Instagram, boblechef.com, Facebook, l'anarchie culinaire, Twitter, on tweet beaucoup, puis sur Twitch. Twitch, oui. Pour tout voir ce qu'on fait en direct. On va mettre tous les liens, puis ben, Twitch, anarchie culinaire. J'ai quand même goûté, là, quand même, avant de... À vous. Oui, j'avoue. Ouais, ça marche. À vous. Ouais. Hein? Ouais. Mm-hmm. Mais ta carotte est pas trop cuite. Mm. Parce que si tu l'avais fait, j'ai... molle, une semi-molle, comme on dit, là. Mm-hmm. Je ne l'aurais pas fait, mais ça, t'as un peu de dureté. Un petit peu de craquant. Ouais. La margarine, le margariné, le toasté, le moutardé fonctionnent parfaitement. Fait que Bob... Tu sais que ça veut dire, hein, les carottes sont cuites en jargon de cuisinier? Non. Ça sera pour un autre capsule. Non, dis-le-nous, on a le temps. C'est le joint est roulé. Ah! Bob! Plaisir, un honneur. Hey, plaisir c'est... pour moi! Moi, je vais tellement finir ça quand ça va être fini. Puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ben faites-le. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Bob. Des pouces en l'air, come on! Puis, si vous voulez qu'on fasse d'autres recettes historiques, hey, on pourrait peut-être essayer de faire, genre, un livre de recettes de 1900 quelques ou de 1600, puis tu fais les recettes. Moi, je partais. OK, go. L'écureuil? Non, pas des écureuils. Moi, j'ai pas envie de ça dans ma cuisine. OK, bonne semaine, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez. OK, bye!